Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite et peut-être même la fin de Happy Room. Enfin, je dis la fin, je sais pas trop en fait. Je vois qu'il reste pas spécialement beaucoup d'armes à débloquer, mais ça peut être dur, donc je sais pas. En tout cas les gens, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. N'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Et puis, on va améliorer un petit truc, bien gentiment. Et pourquoi on n'améliorerait pas la besègue? Ouais, la besègue. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur cette configuration. Et qu'est-ce qu'on pourrait refaire de plus? On pourrait rajouter une petite besègue. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va rajouter un petit monstre. Histoire de, c'est pour la fantaisie. Allez, vas-y. On va voir ce que ça peut donner comme ça. En vitesse x2. Oh putain, mon vieux. Comment que je prends cher dans la gueule en vitesse x2? Laisse tomber, je vous raconte même pas. Et là, ça peut faire quelque chose, vous voyez? La petite besègue en l'air, elle fait toute la différence. Elle peut faire toute la différence. Yes, 10 secondes en l'air, ça c'est bon. Putain, ça va tellement vite, mon vieux, je sais même pas ce que j'ai fait. Ah bah voilà, couper cabèche avec une hache. Ah bah, je l'ai désintégré la cabèche. Non, il est rincé le bordel. Alors c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que en fait, couper cabèche, c'était une mauvaise traduction du jeu. En fait, c'est couper la tête, voilà. Donc c'est tout simplement ça. Et si on se la tentait comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On teste. Allez, vas-y. Déjà, il a mangé cher dès le début. C'est cool. Ah, je sais pas si ça va spécialement le faire. C'est dommage que les éclairs, ça le bloque pas. Ah merde. Oh non. Stop, on enlève tout. Nouvelle configuration. On teste comme ça. Allez, vas-y. Fais péter. Je sais que les canons à glace, ça envoie du lourd. Mais pas là, d'accord. On va tenter un petit peu les défis là. Tenez 10 monstres en 30 secondes en la gravité 0. Ça va le faire ça. Allez vas-y, et comme ça, est-ce que ça le fait? Y'a moyen je pense là, non? Allez, yes. Et bah voilà, c'est impeccable. Soumis à l'expérience, vole à travers 12 mini lasers. Ça va le faire. Allez, le coup des 12 mini lasers. Normalement, voilà, nickel. C'est bon, c'est fait, impeccable. Stop l'expérience. Utilisez tous les piranhas dans le bloc de l'eau. Allez vas-y, fais péter comme ça. Là, ça va le faire. Regardez. Voilà, la barre, elle monte. Tranquille. Impeccable. Léger changement de stratégie. Je pense qu'il manquait juste un petit canon à glace. C'est tout. Voilà. Là, ça va le faire. Regardez. Et c'est bon. Oh, missile. J'ai débloqué des missiles. Arrête tes conneries. Jure. J'ai débloqué des missiles. Arrête, quoi. Non, ce délire. Allez, vas-y. On la teste comme ça. Oh, yes. Voilà, voilà, c'est pas mal. Oh putain, mon vieux. Ah, tu m'étonnes, je prends cher là. Voilà, et bah c'est bien, regardez ça. Ah putain, par contre, j'ai fait le con avec les ressorts. J'ai fait le con quand même, ouais. Petite expérience sociale de la journée. On a déjà fait cette expérience sociale, mais j'ai envie de la refaire. Alors, putain, y a pas moyen d'arriver jusqu'ici, quoi. Je sais pas comment que je vais arriver jusqu'ici. Allez, vas-y, on se l'attend comme ça. Oh, j'aurais pu rajouter des mines. Quel gâchis! Oh, regardez! C'est pas trop mal comme ça, hein! C'est franchement pas mal là, hein! C'est pas mal, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je sais, je vais mettre un téléporteur juste ici. Allez, vas-y! Alors? Qu'est-ce que t'en dis là? Eh ben voilà! Là, c'est pas mal! Voyez? Vitesse x2, fait péter! Et. Ah ah ah, regardez, on y est presque. On y est presque, oui. Oh non. Oh putain, je suis dégoûté, il manque que dalle quoi. Il manque que dalle. 20 minutes later. Oh oui. Nouvelle arme disco. Yes. Et putain, comment que c'était chaud, je vous raconte même pas l'affaire quoi. Oh yes, disco. Putain, excellent, c'est quoi ça? Allez vas-y, fais péter comme ça. Oh yes, disco. C'est excellent, ça fait quoi? Ça fait de la lumière, mais je sais pas si ça fait des dégâts. Allez, vas-y, là, le coup du palis, là. Allez, fais péter. Ah bah non, je peux pas, j'ai mis des ressorts. Merde. Ah, regardez, yes, une fois, deux. Allez, 3, 4. Allez, 5, 6, 7. Et bah voilà, 8, c'est bon. Impeccable. 7 secondes dans les vagues d'un canon gravitationnel. Jeter un soumis à l'expérience vers 3 mètres en utilisant des palis. 7 secondes dans les vagues d'un canon gravitationnel. Vas-y comme ça. Je pense que là ça va le faire. Ah, j'y étais presque. Allez, les 7 secondes. Yes. Impeccable. Ça c'est nickel. Ok, impeccable. Du coup je peux améliorer un truc. Je vais améliorer le plasma gun. Allez vas-y, on se la teste comme ça. Avec cette configuration, j'ai amélioré les plasma gun. J'espère que ça va le faire. Putain mon vieux, je vois rien mon vieux.
Je vois que dalle, ça va tellement vite des fois. Laisse tomber. Non, c'était pourri. Nouvelle configuration, on va tester comme ça. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, comme j'ai envie de l'appeler. Une petite mine, juste ici. Ça fera l'affaire. Allez, vas-y, c'est parti. Dis-moi que ça va marcher. On espère. En tout cas, c'est pas trop mal parti. Ah, yes. C'est franchement... Putain, c'est franchement de la merde. Oh, regardez, il manque pas grand-chose. Allez, vas-y, là. Il manque quasiment rien. On y est presque. Yes. Grand missile débloqué. Wouh, comment que c'était chaud, franchement. C'est quoi, le grand missile? Combien qu'il coûte? Oh, putain, 560. Vas-y, on va le prendre, hein. Vas-y, on va le mettre là. Allez, vas-y, fais péter, comme ça. Oh! Oh, le truc de fou, quoi! Ah, et puis il peut en faire deux tours! Vas-y! Oh, il aurait pu en faire deux tours, quoi! 328 AM. Test numéro 12793. C'est parti. Dis-moi que ça le fait comme ça! Allez! On est bien parti! Je vous le dis depuis tout à l'heure, je teste des configurations, je fais tout et n'importe quoi! Mais je me rapproche à chaque fois, je me rapproche. Day 2. Si, si, je vous assure, c'est pas des conneries, on est vraiment le lendemain. D'ailleurs, je capitule sur ce jeu. J'ai joué au moins pendant 2 heures hier. Bon, pour vous, ça aura duré 5-10 minutes, pas plus. Mais, je tiens à le préciser quand même. Franchement, c'est chaud, quoi. Bon, du coup, il nous reste plus que 2 armes à débloquer. J'espère bien les débloquer. Faites pas attention au décor derrière moi, j'ai voulu monter une commode. La commode a gagné. Et il y a des jours comme ça, ça arrive. Et donc, j'ai bien envie d'essayer de débloquer les 2 nouvelles armes qui restent. Et je vois que j'ai un truc à améliorer. On va améliorer... J'ai envie d'améliorer le canon glacial. Allez, vas-y, on va s'améliorer celui-là. C'est parti. On va tout effacer. On va repartir sur une base propre, une base saine. Aujourd'hui, on est bien. Aujourd'hui, on va tenter de débloquer les 2 armes qui restent. Franchement, j'aimerais bien. Et vas-y, c'est parti. Bon, j'ai très certainement déjà essayé cette configuration, mais on va tenter de la refaire. Allez, vas-y. Fais péter. En espérant que ça puisse débloquer jusqu'à là-bas, sachant que j'ai amélioré le canon à glace quand même. Ah ! Quand même, c'est pas trop tôt, mon vieux. Je commence à plus y croire. Ah bah ça, c'est cool. Voyez, on a débloqué le rayon de la mort. Arrête tes conneries, toi. Jure. Le rayon de la mort. Attends, faut que j'essaye ça. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Le rayon de la mort. Arrête. Vas-y. Attends, vas-y, fais péter. Ça fait quoi, le rayon de la mort? Alors, vas-y. Ah ouais, quand même. Ah, c'est violent. Ah ouais. Je dis ouais, là. Jeter un soumis à l'expérience par les canons à plasma des 2 murs. Ah ouais. Vas-y, test. C'est parti. Ah bah voilà, c'est nickel. Impeccable. Plasma gun téléporte au plafond. Ah ouais. Non, je l'ai presque fait. Genre comme ça. Vas-y, fais péter. Alors. Loupé. Ah non, c'est pas bon. Ah yes. Yes, ça l'a fait, nickel. Ok, d'accord. Bon, et ben ça, c'est nickel. Missile à voler 200 mètres. Ok. Voilà, j'ai une vague idée pour les missiles qui volent à 200 mètres. Je pense qu'on va se la faire comme ça. Là, ça devrait le faire. Eh, regardez. Nickel, impeccable. Oh, yes, boule de disco, rayon mortel. Vas-y, on va améliorer ça. Nickel. Bon, les gens, j'ai mis un moment à étudier cette technique qui, selon moi, devrait être infaillible. Franchement, j'ai tout calculé, tout bien. Normalement, je devrais arriver jusqu'ici. Normalement. On va tout de suite faire le test. Attention, c'est parti. Donc, il passe dans le petit téléporteur comme prévu. Il se prend les petits crochets comme prévu. Il se mange bien cher du côté gauche. Et normalement, avec mon petit ressort, il devrait rebondir vers la droite. Et il devrait manger aussi cher à droite. Ah, regardez ça. Mon plan fonctionne comme prévu, à la perfection. Ah, yes. Regardez. On y est presque. Il manque pas grand chose. Re petit téléporteur. Petit ressort. Il manque pas grand chose. Oh, on a toutes les armes. Nouvelle arme. Trou noir. Yes. On les a toutes. Vas-y, c'est quoi, le trou noir? Ah ok, d'accord. Un trou noir, c'est pour qu'il reste en place, en fait. C'est pas mal. C'est plutôt bien fichu. Oh, regardez ça. Regardez ça, ce qu'on prend dans la gueule là. C'est un truc de malade.
Ah c'est un truc de malade, mais en fait c'est pas terrible. Bon les gens, on tente le tout pour le tout avec cette nouvelle configuration qui j'espère va nous permettre d'arriver jusqu'au bout de la barre. Attention, c'est parti. On se l'attend comme ça. Mais déjà, normalement c'est assez bien calculé pour. Normalement je dis bien. Yes, regardez, là il se prend tous les crochets, il se prend tous les canons à glace, il brûle, il gèle. Re-petite téléportation. Faut que j'arrive à dépasser la barre jaune là. Ce serait pas mal. Mais je vous avoue que ça va être chaud. Ça va être assez chaud. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On va le faire. On va le faire. Fire Reality. Ah la Mortal Kombat mon vieux. Pareil. Oh la fatalité de bâtard que je l'ai mis. Pah. Comment que je l'ai eu? Oh comment que ça déchire mon vieux. Regarde, il est en train de descendre tout doucement et tout. Oh là là. Sandbox mode unlocked. Bah tu m'étonnes mon vieux. Carrément que j'ai unlocké. Ouais. Bon les gens, on va se laisser là-dessus. En tout cas, je suis super content parce qu'on a fini Happy Room. Il m'aura fallu 2 jours pour finaliser cette vidéo. C'est un truc de malade comment que j'ai galéré. Mais en tout cas, on y est arrivé et je suis bien content. Mais ce n'est pas fini. La prochaine fois, on peut sûrement tenter le mode sandbox. Et je pense que ça peut être pas mal. En tout cas les gens, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit partage, ça ferait plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!